devrait marcher. Ok, fais gaffe à toi. Oui, voilà, on fait pas comme Sully, on dit pas... Surtout ne bouge pas. C'est pas ici la sortie là. On a besoin d'Elena pour enlever le rideau. On n'y arrivera pas tout seul. Non, non, visiblement on n'y arrivera pas. Bon. Ah non, c'était peut-être la fenêtre derrière. Oui, c'était la fenêtre derrière, autant pour moi. Et là, on a bel et bien besoin d'Elena. Et oui. On ne laisse personne derrière car on a besoin d'amis pour soulever des commodes. Proverbe bien connu. Ok. Et regarde, le sceau de Thomas Tew. On est donc chez Thomas Tew. Commandant en second. Il montait dans la hiérarchie des pirates. C'était un dingue. Ah. Eh ben dis donc. Beaucoup de gens empoisonnés là. On dirait qu'on a trouvé la fête. Mais tout le monde crève partout, personne ne fait le ménage. Hein. C'est ouf. Hey, Nate. Regarde ça. Un Pégase. Un autre saut. C'est pas vrai. Quoi? C'est eux. Ce sont tous les capitaines pirates qui ont fondé Libertalia. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je suis pas un expert scientifique, mais d'après ce que je vois, je dirais... du poison. Apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a Avery avec eux ou pas? Un collectif entre riches pirates? Un rituel? C'est sûr, c'est Avery qui les a tous roulés. C'est pas tellement le genre. Au nom de Lord Avery, je vous invite dans mon manoir demain au coucher du soleil. Il est désormais grand temps d'abandonner nos animosités et de tous nous réunir sous la bannière de Dieu et de la liberté. Signé Thomas Tew. Est-ce qu'il y a Thomas Tew dedans aussi? Tu paries quoi? Thomas Tew? Henri Avery? Nos chers hôtes n'ont même pas pris la peine de nettoyer derrière eux. C'était vraiment pas très courtois de leur part. Ok, on reprend. Comme on pouvait s'y attendre, ils se sont mis tout le monde à dos quand ils ont voulu s'approprier le trésor. Ils se sont d'abord occupés des colons. Ensuite, ils se sont retrouvés face à face. Et c'est là que la situation est devenue... incontrôlable. Du coup, Avery et Tew les ont tous réunis là. Pour... Pourquoi déjà? Pour abandonner nos animosités. Abandonner leur animosité. Pendant le dîner, Avery lève son verre et il trinque. Adieu et à la liberté! Morbleu, ohé matelot, etc. Et ils boivent tous une gorgée. Sauf eux deux. Et comme ça, d'un coup, le trésor de Libertalia appartient dans sa totalité à deux hommes. C'était les pirates les plus redoutés de l'histoire. Et ils sont tous morts. En un claquement de doigts. Ici, à cette table. Elle est en train de se poser des questions sur à quel c'est point... incroyable. Il kiffe. Ouais. Je suis vraiment désolé. Désolé. Ah, je me remute, hein, les vieilles avoues. Ah, ça a un peu l'air quand même. Hein. Donc, et l'attention. Nos hôtes ne se trouvent pas ici au manoir de Tew. On devrait aller faire un tour chez Avery. Ouais. Allons-y. Eh ben, mon gars, c'est un sacré repas, hein. Elena s'est certainement dit, ok, il était en plein kiff. Il a adoré. Bon, ça, on l'a déjà vu, hein. On nous l'a lu, donc je vais pas le relire. Eh. On va faire le petit dessin. Voilà,
postérité. Ah, c'est cadeau. Des bisous. Alors. Bon, du coup, Avery, bon, je pensais qu'il avait roulé tout le monde tout seul, mais non. Il a roulé tout le monde avec Stu. Allez, attention. Thomas Stu. Ouf. Je vis bien. Coucou. Ça serait bien passé, mais... J'étais pris dans un élan d'envie d'escalader, là, j'en pouvais plus. Et nous sommes officiellement ouh là là. À l'intérieur de la maison d'Avery. Ouais, la plus grande, hein, bien entendu. La maison de dingue. Ah bon. Ouais, je préfère ça. Et le mot du jour est... ostentatoire. Alors pourquoi est-ce qu'il a pas tué Thomas? Ostentatoire. Ouais, c'est exactement ça. T'imagines un peu être sous les ordres d'un psychopathe paranoïaque? Ça me rappelle mon premier boulot. Qui, le producteur de ton émission de télé? Non, mon manager au resto mexicain. T'as travaillé dans un resto mexicain? Mais c'était juste un job d'étudiant. Compte, c'est pas toi. Pas toi, dis. Tout avoué. Te connaissant, je suis sûr que tu y étais un peu pour quelque chose. Hein ? Me cherche pas, Nate. Regarde, les gars, l'horloge. Ont barricadé la porte d'entrée. Ah ! Et ils ont laissé plein de traces de boue partout. Voyons où ils sont allés. Non, pas des traces de boue. Dans cet énorme bâtiment dévasté. Alors, où sont les empreintes? Voilà. Pour une petite trace. Ça monte les escaliers. Comme ça, on est vraiment sûr de pas tomber sur eux. Alors, où est-ce qu'ils sont passés, tous les gars de Shoreline? Ouais, c'est bizarre. Je m'attendais à croiser du monde ici. On dirait qu'ils sont volatilisés. Tu vas pas commencer à croire que c'est des pirates fantômes. Non, tout de suite, rigole pas avec ça. Ouais, ça a pas l'air ouf, hein. Y'a plus d'empreintes en plus, c'est un peu nul. Mais là, si je descends, je reviens sur mes pas, non? À chaque fois, je dis que je reviens sur mes pas et c'est pas le cas, donc allons-y. Profitons de la vie, go. Les empreintes continuent après la porte. Hein? Peut-être que la porte s'ouvre? Ce serait dingue. Merde, c'est bloqué de l'autre côté. S'ils sont embêtés à barricader le passage, c'est sûrement que... Ils ont trouvé quelque chose. Aide-moi à ouvrir cette porte. Ouais. Bam. 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 Ah. Bonjour. Oh non. Jean-Jean la sulfateuse. C'est pour mieux qu'on voit là. Très bien, ça c'est fait. On va avoir un problème. Y'a plus de casque. On l'a battu? On l'a pas battu. La tête, la tête, la tête. Oui. Récupère la vie. Ah non. J'aurais dû opter pour une arme plus défensive. Ah, je suis deg, on avait réussi à avoir le gros. Il va revenir là, c'est obligé. Non, non, on a un checkpoint dès qu'on arrive à le battre. Parce que c'est un mini boss, mesdames et messieurs, et oui. Bien entendu. Bon, on va pas retenter ça.
Faut plutôt aller en hauteur. Allez, toi c'est fait. Bon, enchanté. Grenade. Ça se met bien. Genre, je l'ai pas eu. Je suis dead. Oui, bonjour. Enchanté. La musique. Ah bon. Ah bon, vraiment. Je suis mal, là, je suis mal. La vie, la vie est là. Bien joué, elle est là. Elle est là, elle est où? Ah, je crois qu'elle l'avait tué. Oh, l'erreur. Ennemi blindé. Ah, j'ai fait plein d'erreurs là. Je pensais qu'Elena l'avait eu déjà. Ma erreur. Je pensais que je pouvais le CQC. Après, j'ai pensé que je pouvais quand même le CQC. Même si la première fois ça avait échoué. Yo. Ça va? Bonjour, enchanté. Je suis en train de prendre cher. Je suis au mauvais endroit. Ok. Ok, ils m'ont laissé un petit peu de temps là, ça a été très sympathique de leur part. Merci pour tout. Ça passe, ça passe. Oh, oh, oh. Ah oui, d'accord. C'est moyen chaud là. Ça remonte. Ok, ça passe aussi. Ah bon. Changer d'arme. Go. La vache, je m'attendais pas à autant d'ennemis. Ah. Je pensais pas qu'il y en aurait un là. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'ennemis qui restent là. J'ai commis l'erreur. Je me suis dit, bon, on a fait quasiment tout un étage. Cette arène est un peu ouf. Ouf. Il y a beaucoup de gens. Non, attends. Arène de New Eden, quoi, je veux dire. Il y avait un mini-boss, quoi. Ouais, bah oui, je vois ça. Enfin, j'arrête de sous-estimer cette arène. Elle est très bonne facture. Il n'y a pas le sniper cette fois. Ils ont changé les emplacements, peut-être. Ou simplifié l'arène, parce que je suis mort trop de fois. Bonjour. Ah, je suis repassé fufu. C'est ouf. Ouais. Ouais, le sniper a pas eu le temps de monter. On reshuffle les positions. Ouf, la vache. Ils sont des millions. Et c'était compliqué, hein. On va se mentir. Ouf. Ok, on est en vie, on est pas mal. On apprécie. Ah,
Mais non, mais c'est un blindé, j'avais pas vu. Oh. Les blindés, ils m'ont à chaque fois. Hein. Ce que je me dis, bah c'est QC, j'ai quand même un style de combat très direct. Et sur eux, ça ne marche pas. Ah tiens, on a... D'accord. Bon, petit à petit, ils sont de plus en plus gentils sur les checkpoints. Je pense qu'ils en ont marre que je perde. C'est là que c'est l'heure de s'inquiéter. Sur le temps qu'on met pour finir une arène, quand le jeu commence à dire c'est pas grave, tout va bien. J'ai loupé, c'est pas grave, ça passe. Enchanté. Non, mais au bout d'un moment, mince quoi. Elle va faire tout un épisode cette arène, c'est pas possible. Salut. Enchanté. Ouais, je fais attention, y'a pas de soucis. Compliqué. Ok. Au bout d'un moment, Jean-Jacques blindé là, ça commence à bien faire. Oh, mais c'est pas vrai! Respecte-toi un peu. Reste une grenade. Où est-ce qu'on vous la met? Ok. Genre, c'est fini? Eh ben, tout va bien. 3 millions d'ennemis en moins là. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi pour tout. Pour l'arène, pour tout. Ok, alors soit en tuant des ennemis petit à petit, ça a quand même fait baisser le score maximal de l'arène. Auquel cas on peut être heureux. Soit on a été tellement naze que l'arène a dit non, c'est bon. C'est pas grave. T'es pas là pour te battre, on a compris. Oh là là. Ah, bonjour. Excusez-moi. Quoi ? Bah c'est une lettre. Elle a été écrite par Avery. C'est vrai ? Lila. Mes loyaux sujets, alors que le soleil se lève sur notre glorieux paradis, nous devons nous efforcer de préserver ses richesses. Tiu, le traître, connaît nos secrets et nous devons agir promptement. Détruisez le barrage, nettoyez New Devon. Et voilà. Et transférez mon trésor par le passage jusqu'à mon navire. Ils sont retournés l'un contre l'autre. Ne me dis pas que ça te surprend. Non, pas vraiment. Voilà. Bien entendu. Merci. Tu deviens jamais vraiment l'ami d'un mec comme Avery. Tu deviens son allié, son pion pendant un moment. Puis après, c'est la fin. Allons trouver ce passage. Alors, on a un petit colimaçon. Moi, les colimaçons, ça m'appelle, hein, globalement. Dans un style très Alan Dordo-esque. Sont allés. Des pirates fantômes. Voyons de plus près. Tanton. Une petite vaisselle mongole. Pour égayer vos plats. Chaque jour qui passe. Je peux monter à ça là ou pas du tout? Visiblement non.
l'air très d'accord. Bon. Non, il a l'air complètement débilos. Ok. Va pour le fait de ne rien faire. On va partir du principe que le colimaçon est uniquement pour le trésor. Chose que je suis prêt à accepter. C'est l'entrée. À quoi on est arrivé. Il devait y avoir un passage quelque part par contre. Ah! Nous avons un triangle. Quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est une copie de la proclamation britannique ordonnant l'arrestation d'Avery. On dirait qu'il était très fier d'être l'homme le plus recherché du monde. D'accord. Fais des ans. Bon, c'est peut-être quand même en haut des escaliers finalement. Voilà, faut fouiller plein de trucs. Ça n'a pas l'air. Ouh, c'est dans la cheminée, mais ça n'a pas l'air non plus. Ou encore, il y a moyen de faire un truc ici. Bon, visiblement, Nevia se bat. D'ailleurs, un passage secret, du coup, quelque part. Vu comment c'est pas évident. Enfin, je dis ça. Vu la session d'aujourd'hui, les choses évidentes, ça a l'air compliqué, mais... D'avoir un petit passage quelque part, un petit truc activé. Un petit quelque chose dont il faut qu'on se rapproche. C'est le briquet de Sam. Hein ? Il l'aurait fait tomber ? Ouais, il... Pour nous. En tout cas, ce qu'on cherche doit certainement se trouver par là. Très bien. Forcément une autre sortie quelque part. Donc c'est bien un passage secret. Dans la lettre. Pas fou. Et où est l'interrupteur ? Là. C'est peut-être un interrupteur. Non. Oh ! Comment oses-tu ? Là. Non ? Regarde pas le bureau, on n'en a pas envie. Nate ? Ouais. T'as quelque chose ? Je crois bien que oui. Ah bah bravo! Moi je me suis rapproché du bureau, y'avait rien, hein, je suis désolé. Avec cette énigme-là, on n'aura pas trop aidé. Comment t'as fait ça? Y'a une énorme empreinte pile à l'emplacement de Libertalia, alors j'ai juste. Appuyé. T'es trop forte. La lettre disait qu'Avery allait transférer son trésor dans son navire. Ouais. Est-ce que tu crois que le trésor est toujours sur l'île? Ouais, large. Je crois que ça n'a plus la moindre importance. C'est vrai que la vie de Sam n'est plus en jeu par rapport au trésor, elle est juste en jeu par rapport à Rafe. Donc à partir de là, qu'il y a trésor ou pas, à partir du moment où on s'occupe de Rafe, on est bon. Attention à la tête. Ouais. Oh. On dirait qu'Avery s'était construit une échappatoire. Ouais. Ah, vu comment il est parano, bien entendu. On va bientôt le savoir. Pour plaire. Chapitre 19. La chute d'Avery. Ah. On va en apprendre plus sur Avery lui-même, peut-être, avec un peu de chance. C'est ce qu'on nous souhaite. Mais on va s'arrêter là pour cette session qui aura été courte, certes, mais intense. On a eu quelques difficultés sur des passages de navigation, mais aussi sur l'incroyable arène de la fin. Bon, même s'il y avait que la première arène était assez monumentale. On a eu des bons ateliers, hein. Bons ateliers où il fallait un peu chercher, où pour se battre, c'était pas juste une question d'enchaîner les kills, il a fallu bouger en même temps un petit peu, et ainsi de suite. On a eu un mini-boss avec Jean-Jacques Suffateuse, donc non, c'était bien. On a eu pas mal de choses différentes. Et on a surtout eu l'occasion de faire équipe avec Elena, ce qui va continuer à la prochaine session, bien entendu. J'espère en tout cas que cette session-ci de Uncharted 4, The Thief End, vous a plu, et on se retrouve pour la suite dès que possible. Peut-être pas pour le live, peut-être pas demain. Encore une fois, hein, Nevia sur son stream à fond. Peut-être pas demain, peut-être après-demain.
On verra, ce sera soit demain, soit après-demain, mais il est fort probable que ce ne soit pas demain, mais plutôt après-demain, on verra. De toute façon, comme d'habitude, il y aura un petit tweet avant que le live ne commence. Bref, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine session dès que possible, et comme à l'accoutumée d'ici là, portez-vous mieux. Bye.